Gloire à Dieu. Béni soit notre Seigneur. Quelle joie si immense, mes frères et sœurs. Quelle joie que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes de fête avec le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des pluies de bénédictions pour toute l'Église. Gloire à notre Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous offre un grand privilège, une grande bénédiction. C'est de recevoir notre sœur Marie-Louisa. Le Seigneur a dit à notre sœur Marie-Louisa il y a quelques années en arrière, lorsqu'a débuté l'Église, il lui a dit « Je t'appuierai dans toutes les choses matérielles et dans toutes les choses spirituelles. » Et nous avons pu voir la parole du Seigneur accomplie. Gloire à notre Dieu, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Je vous invite, mes frères et sœurs, à vous asseoir. Nous allons chanter à notre Dieu. Lorsque le cœur se sent très heureux, qu'arrive-t-il? Lorsque nous sommes contents, lorsque nous sommes joyeux, ce que nous faisons, c'est chanter. Cela vous est-il déjà arrivé? Lorsque nous sommes dans l'Église du Seigneur, comme la joie est si grande, ce que nous faisons, c'est chanter à qui? À Dieu. Donc nous allons chanter au Seigneur l'hymne 109, qui a pour titre « Heureux ceux qui ont un cœur pur ». Hymne 109. Heureux sont ceux dont le cœur est pur. Sois notre Dieu, celui qui vit, qui règne pour toujours. Notre Rédempteur, béni soit le Seigneur. Combien est grand notre Seigneur. Je vous invite, mes frères et sœurs, à vous mettre debout. Nous allons donc maintenant chanter au Seigneur avec intelligence, avec notre cœur, avec une grande disposition. Car aujourd'hui, notre Seigneur est là en train de bénir tout son peuple. Gloire à notre Dieu. Nous allons donc chanter au Seigneur ce cantique très beau qui a pour titre « Louez et bénissez l'Éternel ».
Cantique numéro 2. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur, louange à son nom, mon Père. Gloire à notre Roi pour toujours. Nous en voulons maintenant donner part à la grande bénédiction que Dieu a pour nous aujourd'hui. Un grand bonjour pour notre sœur Mara Luisa, la leader de notre Église. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mes très chers frères et très chères sœurs d'ici, de Madrid à Vallecas. Et un grand bonjour aussi très spécial pour les frères et sœurs qui nous visitent des d'autres églises, de d'autres endroits. Un grand bonjour très spécial aussi aux frères et sœurs et aux personnes qui vont nous voir à travers la vidéo aujourd'hui même. Nous sommes très heureux et nous vous envoyons de grandes salutations et de grandes bénédictions de la part du Seigneur qu'il puisse vous donner à vous tous à chaque fois que vous regardez la vidéo et que vous puissiez recevoir la bénédiction du ciel, que vous puissiez tous recevoir la bénédiction du Très-Haut. Et de cette façon, vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Et de cette façon, très rapidement, je salue aussi les personnes récentes, les personnes qui sont venues pour la première fois. Un grand bonjour très spécial pour vous tous. Aujourd'hui, nous allons continuer à méditer dans les merveilleux psaumes, les merveilleuses chansons inspirées par le Saint-Esprit de Dieu au roi David et aux chanteurs d'Israël, prophètes du Seigneur. Ces personnages nous ont laissé ces merveilleuses chansons dans les psaumes où nous nous réjouissons lorsque nous lisons un psaume. Et nous nous remplissons d'optimisme, d'allégresse, de confiance. C'est merveilleux de méditer en le Seigneur, mais aussi c'est très beau lorsque nous apprenons ces psaumes, ces mots, nous les gardons dans notre cœur. Et à chaque fois que nous venons à l'église, nous disons à Dieu et nous répétons tous ces mots pour le Seigneur, mais qui sortent du cœur. Dans le psaume 37, nous allons continuer avec la méditation pour pouvoir apprendre et louer notre Dieu. Pour pouvoir apprendre à prier le Seigneur. Il dit ainsi, « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui en font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. » Le Seigneur en train de réaliser des promesses au Père, au Seigneur, pour pas qu'il s'irrite avec ses ennemis,
car lui, il voyait que les ennemis et toutes les personnes qui réalisaient le mal, toutes les personnes qui réalisent le péché, la méchanceté, on dirait qu'apparemment ces personnes vivent mieux que ceux qui sont justes, que ceux qui sont en train d'essayer de plaire à Dieu. Et les gens disent, ceux qui sont méchants, les pécheurs, ceux qui sont malfaisants vivent mieux que nous, alors que nous, nous sommes en train de faire de bonnes choses devant Dieu. Cela ne devrait pas être ainsi. Alors vient l'impatience. Et sûrement le Seigneur Jésus a pensé cela, non tant pour lui, mais pour nous. Le Seigneur Jésus pensait ce que nous, nous pensions. Lui, il sentait ce que nous, nous sentions. Lui, il parlait ce que nous pouvions parler. Et comme nous, nous étions ici remplis d'angoisse, en train de nous impatienter, car les personnes mauvaises vivaient mieux que nous, alors le Père Céleste répondait, cela au Seigneur, pour que lui aussi, à la fois, il puisse nous transmettre cette connaissance. Ne sois pas impatient, ne t'irrite pas pour ceux qui réalisent toutes ces méchancetés. Car il dit, ils se flétrisseront comme le gazon vert, c'est-à-dire Dieu châtie et dépose sa main très durement sur ceux qui réalisent les iniquités, qui réalisent les mauvaises choses aux autres. Et que ce n'était pas beaucoup le temps que ces personnes allaient durer avec leur bénédiction ou allaient rester là en train de se bénéficier à travers leurs mauvaises actions. Donc le Seigneur disait, ne soyez pas impatients, car eux, ils vont être durement punis. Tandis que les justes, ceux qui font les bonnes choses, ceux qui font la volonté du Seigneur, eux, ils seront bénis. Eux, ils auront cette paix et un jour, ils obtiendront la vie éternelle. Ça, c'était la promesse du Seigneur. Et dans le verset 3, il dit, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Qu'est-ce que habiter sur la terre ?» Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que le peuple d'Israël, dans l'Antiquité, Dieu leur offrait tout d'abord à Abraham qu'il allait les emmener à cette terre promise. Terre où coule le lait et le miel. Voilà ce que disait le Seigneur. Là-bas, je vous emmènerai pour que vous puissiez profiter et vivre heureux. Mais le peuple d'Israël, par leur désobéissance et par le fait de pécher, ils ont perdu cette bénédiction. Car l'histoire raconte que dans le désert, lorsqu'ils ont vécu avec Moïse durant 40 ans, eux, ils sont morts dans le désert et n'ont pas pu profiter de la bénédiction d'entrer dans la terre promise, la terre où coulait le lait et le miel, c'est-à-dire la terre de Canaan. Mais cette terre du Canaan représentait un symbole pour le futur. C'était le prototype de la terre de Canaan du futur. La terre où coulerait le lait et le miel dans le futur. Et cette terre du futur, c'est être en train de vivre avec Jésus-Christ. C'est être ce que nous, nous sommes participants de l'Église du Seigneur Jésus-Christ et être en train de profiter de l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est la terre du Canaan. Ça, c'est la nouvelle terre que Dieu a offert au peuple ancien et qu'ils, eux, ils n'ont pas su profiter de cette terre. Mais Jésus-Christ, avec ses sacrifices et avec l'enseignement de son évangile, a dit que tout celui qui croira en lui sera en train de profiter de la nouvelle terre, de la terre où coulerait le lait et le miel. Et c'est pour cela qu'il dit ici, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. » C'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ. Et voilà ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de profiter. Nous sommes en train de vivre maintenant dans cette terre nouvelle. Nous sommes en train de profiter de cette nouvelle terre du Canaan, car le Saint-Esprit nous console et il nous rend joyeux. Car le Seigneur Jésus-Christ est avec nous et lui, il est en train de nous transformer, il est en train de nous changer pour qu'un jour nous puissions arriver à la perfection. Pour qu'un jour nous puissions arriver à être parfaits et lorsque Dieu nous appellera, nous serons prêts pour pouvoir être là-bas avec notre Dieu, en train de vivre
avec plénitude sur la terre de Canaan. Là-bas, dans l'éternité, nous vivrons pleinement cette terre du Canaan. Mais pour l'instant, nous sommes juste sur le chemin. Nous sommes en train de marcher vers cette terre du Canaan. Mais nous devons arriver à l'endroit, à ce but, où tout sera que de l'allégresse. Comme dans Apocalypse où il est écrit que la ville n'aura plus besoin ni de soleil ni de la lune, ils n'auront plus besoin de pluie ni de rien, car le Seigneur, il sera en tout dans l'Église du Seigneur, dans les croyants, en ses fils. Glorieux est le nom de notre Dieu. Et ici, de demeurer sur la terre, nous souhaitons tous que nous puissions jamais y en sortir de cette terre dans laquelle nous sommes en train de marcher, que nous puissions n'y en sortir, c'est-à-dire ne revenez pas en arrière. Alors, ne reculez pas dans vos pas pour vivre le monde. Ne revenez pas en arrière, ne vous lassez pas, car il y a des personnes qui se lassent, qui arrivent à 10 ans, 15 ans et se sont fatiguées et sont revenues en arrière, tout cela pour revenir à vivre dans le monde. Non, car vivre avec Dieu, c'est le plus beau qui puisse arriver. Vivre en le Seigneur, suivre le chemin de Dieu, le chemin de l'Évangile, ce n'est pas des tribulations, cela n'est pas difficile, ce n'est pas amer, ce ne sont pas des problèmes ou des difficultés, ce ne sont pas des souffrances, c'est de la joie. Et l'allégresse, c'est celle-ci qui est toujours en train d'habiter en nous, en train de vivre avec le Seigneur, en train d'écouter ses promesses, en train de voir que ces promesses puissent s'accomplir, en train de profiter des paroles consolatrices que nous donne le Saint-Esprit à tout instant. Ça, c'est la joie que nous, dans le monde, nous ne pouvons pas trouver. Personne ne l'a. Donc, il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas sortir de ce chemin. Il faut suivre en train de marcher sur cette terre, sur cette nouvelle terre. Car le Seigneur dit que celui qui dépose sa confiance en lui, celui qui accepte les choses de Dieu, celui-ci habitera sur cette terre. Alors si Dieu veut que nous soyons ici, sous son abri, sous sa protection, sous ses ailes, Dieu veut que nous soyons là, alors ne sortons pas de ce chemin, continuons vers l'avant. Il est écrit dans le verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices. » Et il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Regardez ces promesses si merveilleuses. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et cela est vrai. Lorsque nous sommes fidèles à Dieu, lorsque nous lui obéissons et nous lui croyons, alors lui, il nous donne tout ce qu'il y a dans notre cœur, tous nos souhaits. Il les exauce. Il est logique qu'il y a des souhaits que nous faisons au Seigneur, mais qui ne nous conviennent pas. Il n'y a que Dieu qui peut savoir ce qui nous convient ou pas. Et lui, il donne tout ce qui nous convient. Et c'est pour cela, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous faisons des pétitions au Seigneur, nous devons être sages et intelligents et méditons à ce que nous allons demander à Dieu. Qu'est-ce que nous allons demander au Seigneur? Oui, qu'allons-nous lui demander? Avec sagesse. Car lui, il donnera et exaucera tous nos vœux. Le verset 5, il dit ainsi. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Promesse du Seigneur. Verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Il dit à nouveau, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Qu'il n'y ait pas de l'envie en toi. Ne sois pas envieux pour ces hommes qui réalisent la méchanceté ou ces femmes qui réalisent l'iniquité et qui apparemment, on dirait que tout va bien dans leur vie. Ne sois pas envieux de ces personnes, car le Seigneur donne à chacun selon ses actions. C'est pourquoi il dit dans le verset 9, « Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont quoi ? Le pays. » Ils posséderont le pays. Nous sommes en train de marcher vers cet héritage du Seigneur. Mais cet héritage, nous pouvons la perdre si nous n'arrivons pas à ce but final. Si nous ne persévérons pas jusqu'à la fin de notre vie, nous pouvons perdre cet héritage et le Seigneur nous sortira de cette terre, de ce chemin et nous ne pourrons plus profiter pleinement de cette terre qui nous attend là-bas dans l'éternité. Il dit ensuite le verset 11. Les misérables possède le pays
Et qui sont ce misérable? Un misérable ici est comparé à une personne humble, simple, douce, qui a un cœur disposé pour accepter la parole et les chemins de Dieu. Celui qui est doux, qui est misérable, écoute, obéit. Celui-ci est patient, il est miséricordieux. Il a de la tolérance, il a cet amour. Le misérable, ici, est bénigne, passif. Celui-ci est le misérable. Et il dit que nous devons être ces personnes douces. Nous devons avoir un cœur pur pour que nous puissions entrer pour posséder cet héritage que Dieu a pour nous, de posséder la terre, de posséder ce ciel, cette joie, là-bas auprès de Dieu dans l'éternité, qui est la plénitude de la bénédiction que Dieu a pour ses fils, pour les croyants en Jésus-Christ. Alors nous devons tous lutter pour être comme ces misérables, cette personne douce qui cède, qui n'a pas un cœur dur, qui n'est pas rebelle, qui n'est pas obstinée, qui n'est pas capricieuse, qui n'a pas de colère, qui n'a pas d'irritation. On enlève tout cela et cette personne se convertit en un homme ou une femme douce ou doux. La Bible dit que Moïse était un homme doux. Voilà ce que dit la Bible. Il faut donc lire tout sur la vie de Moïse pour nous apprendre quels sont les bons exemples de tous ces personnages bibliques. Nous devons apprendre d'eux pour ainsi savoir agir, savoir comment se comporter, car nous devons essayer du moins de pouvoir changer. Essayons de faire les choses de bonne façon. Même si notre chair nous oblige, veut nous soumettre à donner liberté au péché, à ses instincts désagréables, nous devons nous soumettre et nous obliger et avoir comme cette autorité et nous contrôler, car nous voulons être ces personnes douces, nous voulons être doux devant Dieu, afin que Dieu puisse nous récompenser. Dans le verset 12, il est écrit, « Le méchant, c'est-à-dire le diable, forme des projets contre les justes. » C'est-à-dire, celui-ci est en train d'inventer des choses et se propose à faire des choses mauvaises. Voilà ce qu'a fait le diable avec le Seigneur Jésus. Et maintenant, il le fait avec ses croyants, avec les fils de Dieu. Il est en train de faire des choses, d'inventer des choses, en train de réaliser des iniquités. Il est en train de planifier des choses mauvaises contre ses enfants, contre les croyants, contre ceux qui veulent faire la volonté du Seigneur. Donc le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il dit que le Seigneur se rit du méchant, car il voit le Seigneur que son jour arrive, c'est-à-dire ce jour où le diable sera détruit. Donc le Seigneur, dans Apocalypse, il est écrit qu'à la fin, dans les temps de feu, sera jeté ce méchant, ce diable, ce Satan. Celui-ci sera jeté à l'étang de feu avec tous ses serviteurs. C'est pour cela qu'il dit ici dans le psaume que le Seigneur se rit du diable, il se rit de Satan, car il dit que viendra son jour, sa fin viendra à ce méchant, c'est-à-dire au diable, à Satan. Et le Seigneur, c'est pour cela qu'il se rit, car il dit que ce diable, ce méchant, il dit qu'il essaie de faire des choses mauvaises. Il a essayé de blesser le Seigneur lorsqu'il était en train de travailler autant qu'homme, en tant qu'être humain. Mais comme il n'a pas réussi, alors le diable aujourd'hui est en train de persécuter l'Église du Seigneur. Et il la poursuit, il persécute les enfants de Dieu, les croyants.
Mais le Seigneur dit que jamais le diable va réussir. Il dit que jamais il va vaincre contre l'Église du Seigneur. C'est pour cela qu'il dit ici que le Seigneur se rit car il sait que viendra une fin pour ce méchant. Et dans le verset, ici par exemple, dans le verset 18, il est écrit « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Et leur héritage sera comment ? Dur à jamais. » Regardez ce que répète le Seigneur. Regardez comme le Seigneur nous parle de manière claire à travers ses cantiques. Il dit que le Seigneur connaît les jours des hommes intègres, le jour de ces personnes douces, le jour des enfants de Dieu, car les enfants de Dieu seront les parfaits, les doux, les intègres, ceux qui seront complètement prêts pour pouvoir se présenter devant la présence de Dieu, pour les emmener là-bas à profiter avec Dieu. Il dit que Dieu les connaît. Il dit que les héritages de ces personnes durera à jamais. Ainsi parle le Seigneur. Comment est-ce vivre l'éternité? C'est une joie avec Dieu. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Les intègres ne seront pas confondus au temps du malheur, c'est-à-dire lors des jours mauvais ou de tribulations, de problèmes, d'obstacles, lorsque toutes les choses peuvent arriver à un homme ou à une femme dans leur vie, toutes les choses mauvaises qui puissent arriver, celui-ci ne sera pas confondu, ne sera pas sous la honte en tant que croyant. Personne ne va se moquer de lui en disant « Celui-ci dit qu'il est chrétien, il dit que dans son église Dieu parle. » Celui-ci dit qu'il existe les dons spirituels, que Dieu parle, que Dieu donne des promesses, qu'il va le bénir. Et regardez tout ce qui lui est en train de lui arriver. Regardez tous les problèmes, les tribulations, les maladies, les accidents, tout ce qui lui arrive à lui, à sa famille. Cependant, il ne cesse de dire qu'il va à une église où Dieu existe et Dieu lui parle. Voilà ce qui se passe. Cela arrive. C'est pour cela qu'il est écrit que les intègres, les enfants de Dieu, ils ne seront pas confondus au temps du malheur et ils seront rassasiés au jour de la famine. Et Dieu aussi sera en train de lever chaque personne de leurs propres problèmes, de leurs épreuves, de leurs difficultés. Il sera en train de les lever. Il fera que cette personne puisse marcher la tête haute sans avoir honte et de dire que je suis un enfant de Dieu, sans avoir honte de dire que Dieu parle dans l'Église. Car ça, c'est la vérité. Dieu, que la gloire soit pour le Seigneur. Car Dieu est bon. Et si nous, il nous arrive des choses mauvaises ou désagréables, c'est sûrement car nous sommes en train de manquer à Dieu. Et non parce que Dieu manque en ses promesses qu'il a réalisées en nous. Il ne va jamais manquer. Dieu va toujours bénir tout celui qui le suit, tout celui qu'il prend en tant qu'enfant, celui qui est juste, qui est doux, Dieu sera toujours avec lui. C'est pourquoi il dit « Jamais nous aurons honte et nous serons confondus, car nous serons toujours très fiers en disant que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes des croyants, nous sommes de l'Église. » En train de regarder les personnes dans les yeux sans honte, sans crainte, sans timidité, mais avec sûreté, avec conviction, car c'est ce que Dieu veut. Que nous soyons toujours comme ces drapeaux là-bas dans le monde, en train de montrer que nous sommes les enfants du Seigneur, que nous sommes les fils de Dieu, et que Dieu existe, que Dieu vit et qu'il se manifeste. Et ici, dans le verset... Dans le verset 21, il dit « Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. » Alors, le méchant, le diable, utilise les personnes désobéissantes envers Dieu, ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui n'y croient pas en Dieu, ceux qui ne cherchent pas Dieu, le diable les utilise pour faire de la méchanceté envers l'humanité, pour emprunter, pour tromper, pour mentir, pour voler et pour faire beaucoup de choses. Alors il dit le juste, l'enfant de Dieu, celui-ci est compatissant et il donne. Au lieu d'ôter aux personnes, il donne.
Voilà ce que fait l'enfant de Dieu. Et il dit ensuite dans le verset 22, « Car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays, et ceux qui maudissent ceux qui font le péché seront quoi ? Seront retranchés. » Dans le verset 25, il dit, « J'étais jeune et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un disait, « Mais le Seigneur Jésus n'a jamais vieilli, car il est mort à 33 ans. » Le Seigneur Jésus, ici, il est en train de parler pour son peuple, en train d'être le haut-parleur de nous tous, de tous ceux qui ont cru en le Seigneur depuis plus de 2000 ans, lorsque l'Évangile débuta, l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et depuis ce moment-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur parle au Père pour nous. Il est ce haut-parleur, vu que nous n'avons pas toute la capacité suffisante pour nous présenter devant le Seigneur et nous n'avons pas non plus les paroles adéquates pour les présenter devant Dieu. Et le Seigneur Jésus, lui, il a toujours fait ça pour nous. Et c'est pour cela qu'ici, aujourd'hui, nous sommes reconnaissants et très heureux avec le Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, « J'ai été jeune et j'ai vieilli. » Et cela est vrai, car nous avons plus de 2000 ans. Ne pensez-vous pas qu'il a vieilli énormément ? 2000 ans et plus d'un groupe de croyants, de personnes qui ont cru, des personnes qui croient et qui croiront aussi dans le futur. Et il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste quoi ? Ni sa postérité. La postérité, qui est-ce ? Les enfants de ce juste, les fils, les petits-enfants, donc toutes les futures naissances disent « Ni sa postérité mendiant son pain ». Mes frères et sœurs, si nous voulons profiter que ne puisse nous manquer le pain jamais de notre vie, que les bénédictions matérielles de notre vie, toutes les choses nécessaires ne puissent nous manquer, si nous voulons que tout cela ne puisse nous manquer les choses nécessaires dans notre vie, car j'entends dire parfois des personnes qui disent « Je n'ai même pas pour le loyer, je n'ai pas assez pour la nourriture, ou je n'ai pas assez pour me vêtir, ou pour donner des études à mes enfants. J'ai beaucoup de dettes, mais je suis en train d'aller à l'église. Et j'ai déjà 10-15 ans dans l'église, et je suis en train de vivre dans la pauvreté. Vous pensez que ce juste est vraiment juste ? Je ne pense pas qu'il soit juste. » Il ne s'agit pas d'une personne juste, et c'est pour cela que ne s'accomplit pas le verset où il dit « J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Car si le Seigneur l'a dit, c'est parce que ça, c'est la vérité. Si le Seigneur a dit qu'aucun juste ne sera en train de mendier son pain, malgré qu'il vive dans la pauvreté, car il faut vivre avec le nécessaire, vivre avec les choses nécessaires, avoir ce qu'il faut. Si Dieu veut nous donner plus, alors on remercie le Seigneur. Mais du contraire, nous allons vivre avec les choses nécessaires dans notre vie. Mais si moi, je suis en train de souffrir, de manquer de choses nécessaires, c'est parce que je suis en train de marcher mal devant Dieu. Je suis en train d'avoir un mauvais comportement envers le Seigneur. Alors, je dois m'examiner et voir ce qui est en train d'arriver, car ça, c'est la promesse. Ici est la promesse que aucun juste ne va être abandonné et ne va mendier du pain. Alors, mes frères et sœurs, il faut réfléchir. Chacun d'entre vous, que vous vivez une situation précaire, réfléchissez. Pensez, méditez. Et en quoi vous êtes en train de manquer devant le Seigneur? Car Dieu a promis que nous allons jamais mendier de pain. Nous aurons toujours les choses suffisantes pour vivre. Voici ce que dit ce merveilleux psaume. Car dans le verset 23, il dit, 26, pardon. Dans le verset 26, il dit que Dieu sera toujours compatissant et que sa postérité est bénie. Dans le verset 29, il dit, lisez le verset 29, mes frères et sœurs.
Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Dans le verset 30, la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Regardez toutes les promesses qui existent pour ceux qui sont justes, les promesses merveilleuses qu'il y a pour les justes. Ils vivront bien, ils ne vont pas manquer d'aucune nécessité, car tout sera donné par le Seigneur. Ils ne seront pas en train de mendier du pain les justes. Il dit que le juste sera quoi? Il aura de la sagesse, le Seigneur va lui donner de la sagesse. Il sera juste, droit. Dans le verset 31, il dit « La loi de son Dieu, pour ce croyant qui est juste, se trouve où? Dans son cœur. Et ses pas? » Ainsi a vécu le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ fut le premier juste, et lui, il nous a laissé l'exemple. Et il a dit « Oui, nous pouvons être justes. Imitez-moi. Vous devez faire les choses que je fais. Des choses plus grandes que j'ai faites le feront ceux qui me suivent. » Il dit que la loi de son Dieu, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, ça, c'est notre loi. La loi, c'est notre évangile du Seigneur Jésus-Christ, sa doctrine merveilleuse. Il dit que la loi de son Dieu sera où? Dans son cœur. Donc l'évangile, la doctrine du Seigneur sera dans notre cœur. Nous devons être justes, nous devons être parfaits, nous devons être doux. Il dit que ses pas ne chancellent point. Mes frères et mes sœurs, lorsque nous avons Dieu dans notre cœur, nous n'allons pas commettre d'erreurs dans la vie. Nous n'allons pas chanceler. Vous savez, qu'est-ce que veut dire chanceler? C'est trébucher et tomber. Et symboliquement, les personnes disent, cet homme ou cette femme, lorsqu'ils disent de personnes qui marchent mal, dans la pauvreté, avec souffrance, avec des problèmes, ils disent non. Cet homme n'a eu que des malheurs, c'est parce qu'il s'est sali. Cet homme ne fait que de se salir. C'est-à-dire, il a trébuché, il est tombé dans la boue. Cet homme vit mal, donc d'autres personnes diront « Non, moi, je vois beaucoup qui trébuchent dans la vie. Je ne prospère pas, je ne progresse pas, tout va mal, je marche mal. » Voilà ce que signifie trébucher, chanceler. Et il dit que le juste, celui qui est parfait, celui qui est doux, l'enfant de Dieu, il dit que la loi de son Dieu se trouve dans son cœur et que lui, il ne va jamais chanceler. Ni physiquement, ni spirituellement, ni doctrinalement. Celui-ci ne va pas commettre d'erreur, car il y a de la perfection dans son être. Et que tout marchera bien dans sa vie, qu'elle soit matérielle, physique ou spirituelle. Dans tous les aspects de sa vie, toujours, tout ira très bien à ce personnage, celui qui est parfait ou doux ou droit, devant le Seigneur, ou pour les enfants de Dieu. Nous allons donc maintenant lire dans le verset 35, où il parle de l'ennemi, car c'est lui qui nous fait pécher ou qui nous vole les bénédictions. Il dit ainsi, « J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant, c'est-à-dire qu'au début, on a pu voir le triomphe du diable. Vous savez, quand nous aussi, nous avons pu voir que le diable était en train de triompher lorsque le peuple d'Israël a manqué au Seigneur et que Dieu a abandonné son peuple et qu'il les a laissés seuls. Durant plus de 430 années, à peu près 500 ou 600 années, le Seigneur a laissé seul le peuple d'Israël sans prophète, sans se manifester, sans leur parler, sans donner de révélation et sans les bénir. Sans donner les sacrificateurs et non plus les sacrifices dans le temple. Dieu a duré à peu près ces 600 années loin du peuple d'Israël, jusqu'au jour où est venu le Seigneur Jésus-Christ. Donc le diable s'est senti très triomphant, car durant toutes ces années, lui, c'était le roi.
Il était en train de régner sur la terre avec les personnes. Il était très heureux, car il pensait qu'il avait vaincu notre Dieu. Et c'est pour cela qu'ici, il dit que j'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il s'est étendu comme un arbre verdoyant durant plusieurs siècles, mais arrivé le jour où le Seigneur Jésus-Christ est apparu sur terre pour prêcher son évangile, et lorsque le Seigneur meurt et ressuscite au troisième jour, à ce jour-là est arrivé le jour au diable, au méchant, et ce jour-là, le diable fut détruit. Car là-bas, il a été abattu grâce au pouvoir du Seigneur Jésus-Christ avec son autorité. Et le Seigneur Jésus a dit, « Je lèverai mon Église et je lui donnerai mon esprit et je leur donnerai ma puissance. Et le diable ne pourra pas vaincre contre mon Église, les croyants de Jésus-Christ. » Donc ce jour-là est arrivé à l'ennemi. Il n'a pas pu être cet arbre verdoyant pour s'étendre. Voilà ce qui est arrivé. Mais bien sûr, lui, il est en train toujours de nous persécuter car nous sommes une chair, nous sommes une matière. Mais l'Esprit de Dieu nous aide. Il nous donne les victoires, il nous donne le triomphe, il nous garde, il nous protège de ce méchant. Le Seigneur toujours sera avec nous. Mais par contre, mes frères et sœurs, n'oubliez pas que nous devons être quoi? Juste. Nous devons être ses enfants de Dieu. Nous devons être doux. Parfait devant le Seigneur. Amen. Amen. Et nous allons ainsi réussir à faire cela avec le propos que je fais de vouloir changer devant le Seigneur. Je dois donc établir ce propos en moi et me disposer pour Dieu pour qu'il puisse aussi m'aider. Il dit ici, dans le verset 36, après le 35, il dit, « J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. » Gloire à notre Dieu. La victoire que le Seigneur donne. Dans le verset 37, il dit, « Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. » Gloire au Seigneur. L'homme de paix, le Seigneur, ici dans le verset 40, l'Éternel les secourt et les délivre, et il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Qui donc la postérité, le salut du juste, dit qu'il appartient à l'Éternel. On remercie notre Dieu pour ses promesses si merveilleuses que lui il est en train de nous offrir. Et que nous, à peu près, nous sommes en train de comprendre qu'est-ce que lui, il veut et qu'est-ce qu'il attend de nous. Nous voulons profiter et continuer à profiter dans sa plénitude cette terre promise ou la terre nouvelle ou la terre de Canaan spirituelle. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Vous pouvez vous mettre debout et nous allons chanter au Seigneur. Nous allons chanter au Seigneur le cantique « Que mon âme exalte le Seigneur ». Nous allons chanter ce cantique « Exalte mon âme au Seigneur ». Seigneur,
Gloire à notre roi. Puissant, puissant est le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Nous allons prier pour les maladies physiques, psychiques, pour les sorcelleries, les envoûtements. Bon, pour n'importe quelle maladie, aussi les maladies incurables. Car après la prière, je ne vais pas imposer les mains. Alors, à travers la prière, Dieu va voir en vous et il connaît la nécessité que vous avez besoin, la douleur que vous avez, cette souffrance. Alors, de cette façon, nous allons prier. Et s'il y a aussi des souhaits, des vœux qu'il y a dans votre cœur, rappelez-vous que nous avons lu le psaume qui dit « Lui, il donnera tout ce que ton cœur désire ». Alors aujourd'hui, en ce moment même, dans la prière, dites au Seigneur, dans le psaume, il est écrit que toi, tu donneras tout ce que notre cœur désire. Alors, tu vas me donner tout cela. Celle-ci est ta promesse. La parole du Seigneur est ferme. Nous allons donc prier le Seigneur. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Pour toutes tes bénédictions, pour ton amour, pour ta miséricorde. En cette journée et dans ces temps aussi, mon Seigneur. Merci Seigneur, car nous avons été devant ta présence, en train de méditer en ta parole, en train d'analyser la Bible, en train d'analyser beaucoup de faits, beaucoup de choses qui sont arrivées aux personnes dans l'Antiquité et qu'aujourd'hui cela aussi peut survenir en nous. Et toi, comme tu es le même hier, aujourd'hui, et pour les siècles et les siècles, toi aussi, Seigneur, tu es avec nous aujourd'hui, comme tu l'as été auparavant, avec tous ces grands personnages, comme tu l'as été aussi avec le peuple, que tu avais réalisé des promesses, mon Seigneur, et que tu leur avais établi des lois. Aujourd'hui aussi, Seigneur, tu fais la même chose avec nous. Avec la seule différence qu'aujourd'hui nous sommes en train de profiter et nous réjouir de ta présence, de ton Saint-Esprit, et en train de profiter des dons merveilleux. Merci Seigneur, en train de profiter de tes merveilleuses promesses, de ta parole, en train de profiter des rêves, des visions, des révélations, en train de profiter du discernement et de tous les dons spirituels que tu nous donnes. Nous nous sentons très proches, mon Père Saint. Tandis qu'à l'époque d'avant, les personnes n'ont pas vécu ces expériences si merveilleuses auprès de toi. Aujourd'hui, nous, oui, et nous avons donc de plus grandes responsabilités devant toi. Car ta présence est là, car tu es là, mon Seigneur. Merci, mon Père. Merci, mon Seigneur. Aide-nous et enseigne-nous à te louer, à t'honorer, à glorifier ton nom, à te célébrer, mon Seigneur. Aide-nous et enseigne-nous, mon Père Saint, pour te vénérer, pour honorer ton saint nom, pour valoriser ta sainte parole, pour valoriser, Seigneur, tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur, pour l'appui que tu donnes à l'Église au niveau mondial. Merci, mon Père. Maintenant, en ce moment, je te demande, Seigneur, que tu tendes ta main guérisseuse sur tout genre de maladies, que ce soit des maladies incurables, des maladies physiques, des maladies psychiques, et que tu sois, Seigneur, en train de guérir, en train d'ôter toute douleur, en train de délier toute maladie. Aide, Seigneur, toute personne, tout homme, toute femme qui sont en train de souffrir. Béni soit notre Seigneur, sois miséricordieux. Aussi, Seigneur, je te demande que tu puisses réprimander tout mauvais esprit, toute sorcellerie, tout envoûtement, toute malédiction du diable. Détruis tout cela, délie tout cela, protège-nous du mal, libère-nous, Seigneur. Purifie notre cœur, notre âme, mon Seigneur. Merci, mon Père céleste. Merci pour ton amour, pour ta miséricorde. Bénis tous les frères et sœurs. Bénis toutes les personnes qui sont venues pour la première fois, les personnes récentes et tous ceux aussi qui vont nous voir à travers la vidéo. Tends ta main. Bénis chacun d'entre eux. Donne-leur le triomphe, la victoire. Donne-leur la bénédiction, la guérison et la libération. Merci, Seigneur. Nous te louons. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Merci, mon Père. Merci pour ta miséricorde et pour ta sainte bonté que tu as envers nous, mon Seigneur. Que la gloire et la louange soient pour toi, à partir d'aujourd'hui et éternellement. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Grande est Jéhovah. La ciudad de Nueva
soldados del norte en la ciudad del gran rey. Es el monte de Sion, a los lados del norte en la ciudad del gran rey. Gloire à mon Seigneur. On remercie notre Dieu. Mes frères et sœurs, pouvez vous asseoir. Et maintenant, nous allons donc raconter certains témoignages. Je veux vous laisser ici avec le frère Nestor pour que vous puissiez se rappeler du frère aussi. Bien. Alors que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, de grande façon. Merci. Que la gloire soit pour le Seigneur. Bon, mes frères et sœurs, nous allons donc commencer avec les témoignages et essayons de le faire très bref possible pour donner l'opportunité aussi aux autres frères et sœurs et comme a dit notre sœur, de pouvoir ainsi nous édifier et apprendre la doctrine du Seigneur. Oui, ma sœur, allez-y. Bonsoir, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue à notre sœur Marie-Louisa. Nous attendons avec grande allégresse votre venue à Barcelone. Je témoigne que le Seigneur, il y a 11 ans en arrière, me faisait une promesse très merveilleuse et j'ai pu voir comment le Seigneur l'a accompli. Il a guéri ma mère, il a utilisé notre sœur Marie-Louisa, elle avait le cancer dans le sang. Le Seigneur, la sœur, lui a imposé les mains à Saba Badel et 2 semaines après avoir passé 1 an de traitement de chimiothérapie, les médecins ont dit qu'elle n'avait plus rien. Je témoigne donc, gloire à Dieu. On remercie le Seigneur, que la gloire soit pour notre Dieu. Je souhaite aussi témoigner que j'ai dû être clouée au lit durant 9 ans à cause de ma tétraplégie et le Seigneur a utilisé la sœur Marie-Louisa, le frère Andrés Carillo et d'autres frères encore. Et à travers un cantique, dans un songe, étant clouée au lit, la sœur me disait « Ouvre les yeux ma fille » et lorsque je les ai ouverts, je pouvais enfin marcher. Gloire à Dieu. On remercie le Seigneur. C'est très beau. On voit que vous êtes très émus. Et c'est très beau de voir comment Dieu utilise notre sœur à travers les songes, dans la vie réelle, à travers un cantique, d'une prière. À travers de tout ce que nous on fait et que nous disposons notre cœur, le Seigneur travaille. Même la sœur dit qu'à chaque fois que nous voyons les études bibliques, la vidéo, nous apprenons de plus en plus. Et des choses merveilleuses arrivent à travers les études bibliques, qu'il soit des mois en arrière ou des années en arrière. Dieu, ce qu'il récompense, c'est la foi. Béni soit le Seigneur. C'est très beau votre témoignage, ma sœur. Je ne sais pas si vous avez conclu déjà. Que la gloire soit pour le Seigneur. Très bien. Oui, allez-y, mon frère. Bonsoir, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Seigneur, dans sa sainte prophétie, m'avait promis que toutes ces boutiques, tous ces magasins par lesquels je passais, dans tous ces endroits où je voyais ces vêtements, lui, il serait en train de me les donner. Et c'est ainsi qu'à travers des êtres chers, des familiers et des amis, le Seigneur a pu me donner ces vêtements pour pouvoir me vêtir et venir à son église. Le Seigneur aussi m'a parlé à travers d'un voyage que j'allais réaliser avec ma famille et que lui, il allait tout donner. Et ma sœur, lorsque Dieu donne quelque chose, il le donne à la perfection. Dans notre cas, par exemple, nous avons pu voyager à Londres pour pouvoir voir l'étude biblique en direct. Et aussi, les détails de Dieu sont ceux qui me séduisent le plus. Et justement, lorsque nous avons acheté ces voyages, nous n'avons pas pu choisir les sièges, mais c'était automatique et moi j'allais avec mes grands-parents.
Ce fut tellement merveilleux, car mes grands-parents ont pu voyager ensemble avec une sœur, et moi, j'ai eu droit à être à côté de la fenêtre et en première classe, et tout cela gratuitement. Aussi, le Seigneur, cela fut surprenant, car nous sommes partis avec une somme d'argent, il nous en restait très peu, et au milieu de l'aéroport, nous avons trouvé un paquet de billets où il y avait à peu près 650 livres qui nous ont servi en plus pour le transport, pour manger et pour profiter de tout le week-end avec mes grands-parents. Et je donne l'honneur et la gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, béni soit notre Dieu. Dieu donne tout, tout ce qui vient de Dieu, tout sort ainsi. Merci. Allez-y, ma sœur. Bonsoir, mes frères et sœurs. Je veux partager avec vous cette expérience. Un grand bonjour pour notre sœur Mara Luisa. J'ai essayé de chercher beaucoup de mots pour vous éloger, mais on vous les a toutes dit. Et je veux remercier notre Dieu qui nous a donné une mère spirituelle avec tant d'appui. Il y a à peu près 19 ans que je souhaite partager cette expérience avec tous mes frères et sœurs, car il y a 11 ans en arrière, je suis arrivée à l'église, mais il y a 8 ans, je vivais à Curaçao et j'étais très malade. Même les médecins là-bas me disaient que je devais revenir à mon pays d'origine et je devais mourir là-bas car il n'existait plus de remède pour guérir. Et un soir, sans connaître l'église de Dieu ministériel de Jésus-Christ international, j'ai eu un rêve avec notre sœur Mara Luisa. Mais à l'époque, j'assistais à une autre assemblée et je disais « Je suis en train de rêver avec la Vierge ». Mais lorsque j'ai vu son visage, il était maquillé. Alors je me suis dit « Non, c'est pas elle ». Et lorsqu'elle s'approchait à moi, elle était vêtue de blanc et très belle. Et elle posa sa main sur mon épaule et elle a dit « Ne t'inquiète pas, car Dieu m'a envoyée pour que je puisse t'aider, pour te guérir et pour te donner un grand message ». Je l'ai regardée et je lui ai répondu « Mais dites-moi qui vous êtes ?» Et elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, car bientôt je te donnerai cette réponse. » Et c'est comme cela, lorsqu'elle a établi à nouveau sa main sur mon épaule et elle m'a dit « Promets-moi que dans 2 mois, tu seras dans ton pays et demain tu auras une grande surprise qui proviendra de Dieu et ne t'inquiète pas, car à présent tu étais morte, mais maintenant Dieu m'a envoyée pour te guérir. » Et c'est comme cela, mes frères et sœurs, le lendemain, je me suis réveillée et j'étais complètement guérie, car j'avais juste une hémorragie que personne ne pouvait opérer. Et à ma grande surprise, je n'avais plus rien. Et ma surprise aussi fut que j'avais besoin très rapidement d'une somme d'argent et dans mon porte-monnaie est apparu 750 $. Et je me suis réveillée très surprise et j'ai raconté ce rêve à beaucoup de mes collègues. Et je leur racontais que c'était une femme très merveilleuse, on aurait dit un ange. Mais je disais, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être confondue. Et 8 ans après, je viens de Pereira, de la Colombie. J'étais dans un véhicule, dans un bus, et une dame s'approchait de moi et m'a dit, je vous invite dans l'église de Dieu ministériel où Dieu promet et il accomplit. Et moi, je lui dis, d'accord. Et elle m'a donné l'adresse et c'est comme cela où je suis arrivée à l'église. Et je voyais qu'on entendait parler beaucoup de notre sœur Mara Luisa et je disais, mais quelle est cette femme qu'on nomme autant? 3 jours après, je suis allée à l'église et on continuait à nommer la sœur Mara Luisa et je disais, mais quelle est cette femme qu'on nomme autant? Et c'est de cette façon, à la 3e fois que je vais à l'église, lorsque je vois les photos, car j'ai voulu m'approcher où se trouvaient les photos qu'il y avait sur le mur dans l'église de Pereira, et lorsque je vois la sœur Mara Luisa, j'ai commencé à pleurer. À ce moment-là, ma fille m'accompagnait. Et je lui ai dit, tu t'en souviens, ce rêve que j'ai eu il y a tant d'années à Curaçao? Elle m'a dit, oui maman, je m'en souviens. Celle-ci est la femme que Dieu a envoyée pour que je puisse guérir. Gloire à Dieu, on remercie le Seigneur, c'est très beau. Que la gloire soit pour le Seigneur. Oui ma sœur, vous avez déjà conclu? Et c'est de cette façon que le Seigneur a permis que je puisse connaître son Église. Et il m'a dit aussi que j'allais être dans ce chemin, que j'allais lui servir. Et aujourd'hui, je me sens très heureuse et contente d'être dans ce pays
Et je remercie notre Dieu et je lui demande aussi qu'il puisse ouvrir son œuvre à Pamplona car nous ne l'avons pas et qu'un jour nous puissions nous réjouir de ce grand privilège de la venue de notre sœur Marlisa et j'ai témoigné pour éloger le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu merveilleux. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Mes frères et sœurs, je témoigne qu'il y a 2 ans, le Seigneur m'avait dit que j'allais être réunie avec notre ministère, avec notre apôtre. Et je témoigne quelque chose de très court, le Seigneur a fait une grande promesse en moi que nous devions valoriser notre sœur Marlisa. Le Seigneur, à travers elle, a réalisé toute l'œuvre avec la maladie du cancer que j'avais. Le Seigneur a fait que je puisse continuer ici dans la ville de Barcelone. Un poumon que j'avais pensé être perdu, j'ai pu le récupérer. Et le Seigneur disait qu'il allait aussi guérir ma colonne. Car ma colonne a été détériorée à travers la chimiothérapie, car elle fut très forte dans mon corps. Et ma colonne devait se soumettre à vivre avec cela, avec cette douleur si forte. Et le Seigneur a permis qu'à travers un rêve, que la sœur puisse m'imposer les mains. Et à partir de ce moment-là, j'ai reçu la guérison. Et ça fait maintenant 5 mois que je n'ai plus aucune douleur. Et il y a 4 mois, le Seigneur m'a confirmé que cela fut notre sœur qui m'a donné la liberté. C'est pourquoi ma sœur Marlisa, il y a 1 an, vous étiez ici dans la ville d'Espagne et le Seigneur m'a permis aussi de me consoler à travers un rêve où vous étiez en train de me dire que la prochaine fois que vous alliez venir en Espagne, vous allez être en train de nous visiter. Et c'est pourquoi ma sœur, je vous invite à Bilbao. Là-bas, nous vous aimons. Ma sœur, tous les frères et sœurs, nous vous attendons là-bas et bienvenue. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et vous protège. Bien, gloire à Dieu. Que la gloire soit pour notre Dieu.